Salut tout le monde, c'est Thibaut, aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a reçu un colis, petit indice qui vient de StockX, et on va le déballer. Donc c'est parti. Alors voilà, on va le déballer. Ah, elle est là. La paire que j'attendais. C'est la Nike Adapt BB version 2.0. La boîte est hyper belle avec ses jeux de couleurs là. Là les deux petits ronds, truc. Là aussi. Puis avec Adapt BB. Avec la Adapt. Petit trou avec. Et on va le déballer. Ça, c'est les trucs de StockX. On va mettre sur le côté. StockX. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Dans la boîte, il y a bien sûr les chaussures, et puis ici, là, il y a les prises pour brancher la chaussure, le câble et tout. Puis en dessous, il y a le socle où on pose les chaussures et ça recharge. Et le petit manuel. La Adapt. Alors, la chaussure. C'est la édition Retour vers le futur en fait. Le grand symbole Nike là. Elle est trop belle. Alors, on va parler un peu de la chaussure. Alors là, il y a le grand symbole Nike. Alors, ça se lasse automatiquement. On est vraiment dans le futur. Avec les couleurs de Retour vers le futur. Là, on peut changer les couleurs de LED. On peut les changer les couleurs. Elle est très belle. Et ce jeu de couleurs en dessous, la semelle. Très belle. Alors voilà, ça c'est le socle de rechargement avec le petit symbole Nike. On branche ici avec ce qu'on a eu, les câbles, et on fait juste de poser la chaussure, les deux chaussures, et ça recharge automatiquement. C'est très facile. Regardez un truc que j'aime beaucoup avec la chaussure, la semelle. Il y a, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a les couleurs de Retour vers le futur. Là, il y a la semelle qui est avec les couleurs de Retour vers le futur. Elle pour left. Et la même chose ici, mais c'est écrit R pour right. Et ici, là, en tout petit, je pense pas que vous allez voir, c'est écrit Power Lasting System. Power Lasting System. Petit truc Nike, là. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo.
et activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Et bye.